Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, nous sommes samedi après-midi. Je m'en excuse. Bon, déjà, il fait toujours très chaud, malgré qu'il ait plu un petit peu hier soir. On a toujours de grosses températures. Et on avait pas mal de choses à faire ce matin, donc voilà. Le facteur est passé, il m'a apporté un partenariat que j'ai accepté. C'est une boutique que je ne connaissais pas et que je voulais tester et vous faire découvrir. Donc j'ai reçu le colis ici présent. On va l'ouvrir ensemble. Et vous allez découvrir de quoi je parle. Allez, je mets tout sur le côté, hein, comme ça, pas de triche. Voilà. Le sachet vide, c'est tout bon. Donc, pour commencer, c'est la boutique Today's Saving. J'ai un code promo, c'est univers avec le U majuscule 10. Et vous aurez 10% de réduction sur votre commande. Donc, j'ai commandé plusieurs diamants de painting. J'en ai commandé 5 exactement, plus un autre article. Donc, j'en ai emballé dans du papier bulle et d'autres dans du plastique transparent. Donc, je suppose qu'ils finissent leur stock de papier bulle pour passer au papier transparent simple. Allez, on va déjà découvrir le premier. Il colle toujours autant ces trucs-là. Ah, ça colle sur les doigts. Allez, zoup. Le premier. Ah, c'est celui pour Lola. Est-ce que Lola s'en est choisi aussi? Je vous le montre. Elle s'est choisi un bourriquet. Il est trop beau. Regardez. Alors, il mesure 30 sur 30. C'est écrit juste là. Yop, regarde. Oh, il est trop beau. Il est magnifique. Donc, on a toujours le petit kit. Et on a ici toutes les perles qui vont avec le bourriquet. Les couleurs, elles sont superbes. Il est trop, trop beau. Je pense que tu vas l'attaquer rapidement, celui-là. Allez, je le glisse dans sa pochette. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de ceux qu'on a choisis. Le lien de la boutique et le code promo, donc, dans la barre de description, comme toujours. Yep. Le suivant. La colle colle toujours autant, hein. Mais en plus avec la chaleur, voyez, ça fait des fils, je sais pas si vous voyez. Et ça me colle au doigt, ce qui fait qu'après c'est pas génial. Allez, on va essayer d'y redéposer là. Hop, j'ai attrapé le deuxième. Et bien le deuxième, c'est le tien aussi. Le deuxième, c'est Stitch. Regardez. Stitch avec son doudou dans les mains. Il est trop beau aussi. Regarde. Oh, mon amoureux. Oh, son amoureux. Bah, dis donc. Sacrée déclaration. J'ai pas les mêmes, moi. Il est superbe. Donc, c'est un 30-30 aussi. On a toujours le kit. Et là, vous avez tous les petits strass qu'il y aura à mettre. Et toujours les couleurs magnifiques. Les roses, ils sont trop beaux. Ils sont tous trop beaux. Allez, on le re-range. Donc toi, c'est les deux pochettes blanches. Voilà. Ensuite, allez, on va aller sur celui-là. Au hasard. Donc, la pochette s'ouvre beaucoup plus facilement. La colle ne reste pas collée avec la chaleur. C'est déjà pas mal. Le suivant, c'est un 30-30 également. Après, il y a en différentes tailles, mais j'ai préféré prendre des 30-30. To the beach, avec le coquillage, l'étoile de mer, la maison, le phare.
Je l'ai trouvé très joli. En éteignant la lumière, ça reflétera peut-être moins. Voilà, c'est peut-être mieux. Regardez, il est superbe. Donc, toujours le petit kit, hein, ça, on ne change pas. Et on a tous les petits strass, donc, avec les couleurs qui correspondent. Donc là, il est plus dans des teintes, je dirais, bleu et vintage. Enfin, bleu et des couleurs un peu vintage. Puisque, comme on le voit là, les couleurs sont... Voilà, c'est pas des couleurs pétantes. Donc, je vais le replier et le ranger comme il était. Sa pochette m'adore puisqu'elle me colle au bras. Mais franchement, c'est une boutique que je ne connaissais pas, mais ils ont un choix énorme aussi. Des modèles qui changent, qu'on ne voit pas dans les autres boutiques. Et de très, très jolies choses. La qualité est top. Le suivant. Et on va prendre celui-là et on prendra le dernier après. Pardon. Là, c'est un 30-30 toujours. Je crois que j'ai pris des 30-30 de mémoire. Donc, nous avons toujours le kit. Les petits strass. Toujours de très jolies couleurs. Et on en a toujours suffisamment. Il en reste même. Et celui que j'ai choisi, c'est une plage avec un coucher de soleil. Ou un lever de soleil au choix. Avec le sable, l'effet des vagues, tout. C'est superbe. Regarde. Je ne t'ai pas montré l'autre d'avant, mais bon. Il est trop beau. Il est trop beau, hein. Ça va, si mes goûts te plaisent, si mes goûts te conviennent, c'est déjà pas mal. Hop. Ça y est, le soleil ressort le bout de son nez. Il y avait 2-3 nuages. Et là, les nuages se sauvent. Le cinquième diamant de painting que j'ai pris, il est là. Hop. Donc, comme toujours, le petit kit, les perles, enfin les strass. Donc là, il va être plus dans les teintes marronnées, hein, comme vous pouvez le voir, beige marron. Du bleu, du gris, des couleurs comme ça. Et donc lui, c'est un... Non, c'est pas un 30-30, c'est un... Elle est où sa taille? Je sais pas où elle est écrite. Donc... Hop. 40, ça doit être un 30-40, ouais, c'est ça. Donc... 30 sur 40 et c'est un bateau sur la mer, c'est un voilier. Il est superbe aussi. Regarde ma puce. De loin, tu verras même mieux ce que ça représente que moi de près. Il est superbe. Hein, là, vous verrez mieux à quoi il ressemble une fois qu'il sera fini. Donc, j'ai, avec ma louloute, choisi ces 5 articles et j'ai pris un autre article que je testerai également à l'occasion avec vous. Je vais vous montrer ce que c'est. Je vais déjà le remettre dedans comme ça. C'est protégé. Ah, ça m'énerve. Pourquoi j'arrive pas à le remettre? J'ai pas mis comme il faut. Ah ben oui, dans ce sens-là, ça ira peut-être mieux. Et en commençant là. Ah, là, ça rentrera peut-être mieux. Là, c'est bon. Juste pas que je m'énerve.
Ah, je finirai après. La dernière chose se trouve là-dedans. Donc, je voulais tester cette petite chose-là. Et je le ferai avec vous dans une prochaine vidéo à l'occasion. Ça se présente comme ça. On vient, on met notre colle ici. C'est un stylo pour le diamant de painting. Et il s'allume. Donc, faut que j'arrive. Voilà. J'ai compris. On enlève le petit capuchon. On appuie. Ça éclaire. Et en fait, ça éclaire la zone où on va venir poser le diamant. Donc, l'avantage, c'est quand il fait sombre, eh ben, au moins, on voit où on pose. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, quand on les pose le soir, eh ben, les yeux, je sais comment ils font. Hein. Ils se croisent et après, on ne voit plus rien. On a l'impression de poser n'importe où. Et ça, honnêtement, c'est vrai. Je l'ai testé. Donc, voilà. Je sais que parmi vous, il y en a qui le font avec une planche LED, les planches de dessin, là, qui éclaire en dessous. C'est bien, mais tout le monde n'a pas le budget pour acheter cette plaque. Et le stylo comme ça, il n'est pas excessif du tout. C'est à LED. Yep. Il est très joli. La qualité est top. Ouais, c'est costaud. Là, ça ressemble à du métal, mais... Alors ça, ça doit être du plastique. Et là, ça doit être du métal quand même. La petite bague. Et vous voyez, ça éclaire vraiment très bien. Je vous le montrerai dans un... dans une prochaine vidéo à l'occasion, dans les bonnes circonstances. C'est-à-dire qu'on s'arrangera soit à fermer le volet, soit quand on la tournera le soir. Mais voilà, de façon à ce que vous puissiez voir ce que ça donne réellement. Mais en tout cas, je suis super contente parce que bah, le diamant de painting, j'en fais plus le soir. Et à force, ça me bouffait les yeux. J'avais l'impression ouais, de ne plus rien voir. C'est tellement minutieux qu'on se concentre et voilà. Donc, je pense qu'avec ça, ça va beaucoup m'aider. Donc voilà, on s'est fait plaisir. Je remercie beaucoup la boutique Today's Saving. Je vous remets tous les liens en barre de description. Je les remercie pour leur confiance, pour leur gentillesse. Et eh ben on va se faire plaisir à se faire nos diamants le soir maintenant. On va pouvoir continuer. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'essaye de vous refaire un tuto d'ici ce soir. Et on se retrouve très vite. Gros bisous. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Je vous aime. Scrapez bien.